les amis, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Ghost of Tsushima. Donc c'est parti, on retourne au Japon avec Jin Sakai, voilà notre samouraï, ou plutôt notre fantôme, voilà. Donc c'est parti, on fait le DLC, on s'attaque au DLC l'île d'Iki. Donc on va ouvrir la carte. Voilà, affiché dans le journal, voyage dans le passé. On m'a parlé de personnes rendues folles par de mystérieuses incantations mongoles dans un village proche du rivage du Noyer, à Akashima. Je devrais m'y rendre, donc c'est parti, on y va. Par contre, faut que je choisisse la quête, ce serait mieux quand même. Alors, bim. C'est bon, j'ai choisi le truc, là? Voilà. Ok. Allez, viens, Nobu. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de vidéo sur Ghost of Tsushima. J'espère que les commandes vont vite revenir. Surtout qu'il y a un peu de temps entre le moment où je mets les vidéos et le moment où je les tourne. Donc moi, ça fait longtemps que j'ai pas retouché du tout à Ghost of Tsushima. Mais j'avais envie de faire une petite pause dans Gotham Knights, donc c'est parti. Alors, examiner. On dirait un hôtel pour une sorte de rituel mongol. Ok. Y a-t-il autre chose? Y a que ça? Examinez. Cette couleur, je ne reconnais pas la tribu. Ok, ah, là il y a du cuir, je prends. Elle porte des sortes d'entraves. Elle s'est mordu la langue et vidé de son sang. Qu'ont subi ces pauvres gens? On a déjà de la torture. Ah merde, merde, on se fait attaquer. L'aigle veut te défier. Bah vas-y, c'est parti, hein. Viens. Il a l'air bizarre, lui. Qu'est-ce qu'il fait, là? Il a des incantations. Bah justement, oui, en même temps, c'est le titre du truc. Ils ont des pouvoirs un peu mystiques. Ah oui, d'accord. Ils sont déchaînés, là, quand même, hein. Chaman. Les chamans entrent dans une transe incantatoire qui stimule l'esprit combatif de leurs alliés et leur permet d'attaquer sans relâche. Ah ouais, d'accord. Ok. Il incante. Bah, toi, tu vas arrêter d'incanter, là. Mais comment j'esquive, déjà? Je ne sais plus. Ah oui, je peux bloquer aussi avec ça. Lui, il a une lance, alors bim bim, lance. Et quand ça se fait que lui a des attaques bleues, là, je peux pas les parer. Yes, ils ont des boucliers. Ouais, mais là, ça va pas le faire, je fais comme... Merde. Je vais me soigner, c'est quoi? Mais merde, je suis pas dans la merde, là. J'ai le niveau pour les faire, ou non, hein? Il a bouclier, lui. Vous savez quoi, on va faire ça. D'accord, hein, moi, j'ai pas d'incantation, mais j'ai ma lame de feu, hein. Voilà, je peux quand même parer quand c'est des attaques bleues. Ok, je peux parer. Vas-y, attaque-moi. Ok, lance. Ah, c'est chaud, là. Là, il y a des combats vraiment... Ils sont forts, là. Les guerriers se déchaînent à l'appel du chaman. Voilà, il n'y a plus de chaman. Mortibus, le chaman. Non, c'est lui, le chaman. C'est lui, le chaman. Voilà. C'est bon, on est tranquille. En voilà d'autres. Ah non. J'ai pas mes bombes, si. Bim. Ah, puis la posture. Ah bah là, je la mets direct, hein. Pas d'hésitation. On va se laisser marcher dessus par des chamans, hein. Voilà. Vermine, vous ne tourmenterez plus personne. Ok, donc là, ça c'est bon, on l'a fait. Je dois découvrir qui sont ces envahisseurs. Ah, on peut l'interroger. Ok, il est pas mort, donc on peut l'interroger. Il y a un truc à récupérer là. Une flèche, je peux pas, bon, ok. Dis-moi ce que tu as fait à ces gens. Ils ont entendu l'appel de l'aigle. L'aigle? Est-il votre chef? Elle mènera la tribu de l'aigle jusque sur vos terres, accompagnée de toute l'île d'Iki
à ses côtés. Ils sont venus de l'île d'Iki. Ok, donc c'est comme ça qu'on y va. C'est un guerrier comme ça? C'était un chaman qui avait tué le père de... Non? Jean. Aide-moi. Que ta mort profite à tous les êtres. Je suis venue dès que j'ai su. Ayuna. Gens. Ils reçoivent de l'aide. Mais j'ignore s'ils se rétabliront. Que leur est-il arrivé? C'est obscur. C'est la première fois que je voyais ces Mongols. Ils racontent suivre quelqu'un nommé l'Aigle. Et s'apprêtent à attaquer Tsushima. Ces pauvres gens sont devenus fous. Si l'Aigle jetait ce sort à l'île entière... Je l'en empêcherai. Comment comptes-tu trouver l'Aigle? L'un de ces hommes a mentionné l'île d'Iki. C'est un repère de pillards et de criminels. Il déteste les samouraïs. Oui, je sais. Mais on est un fantôme, ça tombe bien. Mon père menait la campagne pour les pacifier. Et il... Il est mort sur cette île. Ah d'accord, ok. Les samouraïs ont battu en retraite après sa chute. Mais un épouvantable danger menace l'île d'Iki. Je dois y retourner. D'accord. L'île d'Iki déverrouillée. Ok. Une nouvelle menace mystérieuse a pris racine sur l'île d'Iki, où de sombres secrets et des trésors cachés attendent les plus braves. Ok. C'est parti. Le clan Sakai n'est pas le bienvenu sur l'île d'Iki. Si je veux porter l'armure des Sakai ici, je dois masquer les symboles du clan. Ah ouais? Ah carrément. De toute façon, moi je mets l'armure du fantôme, donc ok. Jin de Yarikawa. Dissimule les symboles, ok. Bah, je veux afficher, c'est quoi? C'est une nouvelle tenue du coup? C'est une armure mais il n'y a plus les symboles, ok. Ah oui, d'accord, ok. Donc ça reste l'armure du clan Sakai mais elle a été modifiée en fait. Donc on l'aura plus jamais... On l'aura plus jamais avec les symboles? Ah ouais. Bon, de toute façon moi je m'en fous, hein. Je laisse l'armure du fantôme en rouge, c'est ce qu'on a eu à la fin du jeu. Donc bah c'est parti. Qu'est-ce que je dois faire du coup? Ton bateau est prêt. Ok, bah on y va. Je vais récupérer les trucs ici. Je regarde s'il n'y a rien à récupérer. Kunai, c'est bon. Est-ce qu'on a tous les... Ok, j'ai 4. Ok, je pense qu'on a tout. Est-ce qu'on peut rentrer ici? Il était déjà trop tard. La provision. Bim. Ok, c'est tout. Bah c'est parti, hein. Je peux pas lui parler avant de partir? Non? Ok. Bah je m'en vais, hein. Ah c'est pas mon cheval. Pas mon cheval? Non, c'est pas mon cheval. À mon avis c'est par là-bas. Ça c'est mon cheval quand même, ouais. Ah c'est mon cheval. J'ai choisi la selle assortie à la tenue. Nous attendons vos ordres. Bah c'est parti, hein. On est parti pour l'île d'Iki. Vous êtes sûr de vous, seigneur Sakai? L'île d'Iki ne réussit guère aux samouraïs. Mais nous ne sommes pas un samouraï comme les autres. Vous allez démarrer une longue série de récits. Les ennemis sur l'île d'Iki sont impitoyables. Oui, j'ai vu ça. Et mettront à l'épreuve les plus endurcis des guerriers. Ok, ben... On y va, hein. Cap sur la côte nord-ouest. Près du fort Sakai. Mon père l'a conçu pour tenir. Si Iki se trouve attaqué, ses habitants s'y abritent peut-être. Je vous y emmène aussi vite que possible, monseigneur. La mer est déchaînée depuis que les Mongols sont arrivés. Les tempêtes font rage autour de l'île d'Iki. Ce n'est pas étonnant.
La tribu de l'aigle y fait des choses effroyables. Quoi qu'ils y manigancent, ils ont courroucé le Kami. Mais ne vous en faites pas. J'ai affronté pire. Viens, Nobu. Petit voyage en bateau. Ah, il y a une tempête déjà. Allez, prépare-toi, grand. Ça s'annonce mal. Nobu ! Ah merde, non, on va pas perdre un deuxième cheval. Hein. On refuse de perdre un deuxième cheval. C'est hors de question. Ils ont pas osé tuer notre cheval encore une fois. Je commençais à l'apprécier celui-là. En plus, j'avais choisi le cheval doré, exprès. Il était super beau. Non mais c'est pas possible, on a une malédiction avec les chevaux. Nous. Pourquoi il a voulu l'embarquer son cheval? On pouvait très bien se débrouiller là-bas. Hein. Je crois que les développeurs du jeu n'aimaient pas les chevaux. Hein. Nobu ? Nobu ! J'espère que tu as rejoint la côte. Moi aussi, hein, parce que là, alors là, j'arrête le jeu. Hein. Non mais ça va continuer, Non mais franchement. J'espère qu'il va bien. Hein. En tout cas, nous, c'est pas la grande forme. Essaye, je peux courir. Justement, je voulais aller là-bas, moi. Y'a rien là-bas? Y'a plus rien? Ok. Bah, on va chercher nos bouts, hein. Suis-je arrivé? À mon avis, non. On dirait un ancien repère de contrebande. Bah du coup, on va se méfier. Hein. Je dirais qu'il n'y a pas d'ennemis. Par contre, il y a des trucs à récupérer. Il y a des morts. Témoignage, ok. Ah. Des provisions. Là, c'est quoi? Juste ce qu'il faut, c'est du lin. Provisions. Ok. Là aussi. Bon, ça au moins on récupère des trucs déjà. Je dois trouver une sortie. Et maintenant je fais quoi? Bah oui. Ah oui, L2. J'avais pas vu. L2. J'ai réussi. C'est parti pour l'île d'Iki. Ah, je peux avancer, je pensais que c'était... D'accord, je peux avancer. On peut pas descendre par là. Bon, on va passer par ici, hein. Retourner sur l'île d'Iki. Bah oui, forcément, on n'y est pas. Inspecter la nouvelle menace mongole. Le fort Sakai n'est pas loin. Ah non, c'est retourné par... Si d'accord. Réfugié, c'est retourné par rapport au père qui était déjà allé, ok. Je te trouverai. Oui, je pense qu'il est pas mort là-bas. Peut-être près de l'épave du bateau. À mon avis, il est resté... S'il a atteint le rivage. Ok. Je crois qu'on doit aller au phare, du coup. Hein. C'est parti. Nouvelle carte, on va aller voir. Nouvelle carte disponible. Oh, ça a l'air pas mal, hein. Ça a l'air pas mal déjà quand même. Pour un DLC, ça me semble bien. La légende du fantôme n'est pas encore parvenue aux habitants d'Iki. Ici, vous pouvez bâtir un tout nouveau mythe. D'accord. Ok. Mais j'ai quand même la posture du fantôme et tout ou pas, du coup? De nouvelles techniques d'exploration propres à l'île d'Iki sont disponibles. Ok. Bah, je veux bien. Technique.
Ah, c'est ici? Ah oui, il y a des défis d'archerie. Ça, il n'y avait pas avant. Ok. Ça, il y avait. Donc, suivez le vent directeur pour trouver des sanctuaires animaliers. Ça, je crois qu'il n'y avait pas. Ouais, sur l'île d'Iki. Bah, c'est bon à savoir. Ok. Je vais acheter. Et je vais acheter celui-là aussi. Bim. Ok. Il y a des singes. Donc là, on va ouvrir la carte. Je vais mettre le. Un ami perdu. Ah bah oui, bah je vais retrouver le cheval tout de suite, hein. Je veux retrouver Nobu, c'est compris? Voilà. Je pensais que je devais aller au phare. Il est où le phare? Attendez, on va reprendre la carte. Est-ce que c'est marqué? Ah, le phare, il est là quelque part. Ok, bah c'est parti, on fait ça. Ouais, bah voilà, il est là-bas. Très bien. Un oiseau doré. Peu d'oiseaux connaissent les secrets de l'île comme celui-ci. Je me demande où il va. Allez, on va suivre l'oiseau. Premier secret de l'île. La musique est bizarre. Ennemi, pas ennemi. Ou les trucs. Ah oui, c'est les trucs à trouver là, les lieux chamans. Il va où après? Ah là, il y a un truc. Sanctuaire des cerfs. Ah merde, il y a un ennemi. Je dois faire quoi au sanctuaire là? Ah bah il y a des ennemis en fait. Ah mais je savais pas qu'il y avait des ennemis au sanctuaire moi. On peut pas faire le tour. Il y a du monde hein, quand même pour un petit sanctuaire là. Allez, assassiner en chaîne, bim, toi aussi. Il y a normalement un petit troisième. Non, je peux pas. Ah non. Vas-y, attaque-moi. Ah oui, puis il y a quelqu'un à libérer en plus. Hein. Ah merde, il va se faire tuer par l'autre, mais je peux pas défendre tout le monde là, moi. Il y a encore un chaman là. Voilà, il est là-bas le chaman. Prochain coup, j'attaque le chaman directement. Hein. Le problème, c'est qu'il faut arriver à le trouver, tu vas voir toi, chaman là. Vas-y. Ah, il a l'air fort, hein. Il y a les trucs des lances là. Yes, je crois que j'ai fait une parade parfaite. C'est bon. Ah non, il se casse. Très bien, barre-toi. Et attends, je voulais récupérer les trucs avant de te libérer. On sait jamais, mais y a rien. Bon. J'arrive. Ah, attends. Oh, désolé, moi je récupère avant. Hein. Ok, c'est bon. Je viens, je viens. Vous serez bientôt libre. Ne vous occupez pas de moi. Je vous en prie. Rendez-vous plutôt au nord de l'île et cherchez la falaise aux mouettes. La Pourquoi falaise aux mouettes, ok. J'y ai vu des hommes se jeter dans le vide. Ah ouais. La tribu de l'aigle leur donne le choix, les rejoindre ou sauter. Et maintenant, ils C'est un petit peu radical. N'en dites pas plus. Je veillerai à ce que plus personne n'ait à faire ce choix. Ok, donc il y a des quêtes secondaires en plus, hein. Non, il a l'air quand même pas mal hein, pour un DLC. On va aller voir, bim. Ok. Ouais, c'est des territoires à libérer en fait. Cool, c'est pas mal. Ok. Ce Alors moi, lieu je veux retrouver le cheval. me rappelle des moments Je veux passés retrouver avec ma Nobu. mère Ah bon? et ma flûte. Je crois qu'il a pas fini sa phrase, mais comme je suis parti. Ah. Ma mère aimait les cerfs. Elle les honorait. Eh ben oui, on n'a pas fait le sanctuaire du Je vais coup. leur jouer Ah l'un de ouais. ces airs. Ah, c'est chouette. Incliner la manette vers le haut. Ah ouais. Je dois faire comment? Mais j'ai pas compris là. On peut le refaire ou j'ai raté? Je veux le refaire moi. Ah voilà. Alors, incliner la manette vers le haut. Mais
Les vibrations de la mélodie, je suis censé faire... J'ai pas compris, là. Il y a une bulle verte, puis quand je bouge, ça monte, ça devient orange, mais je sais pas ce que je dois faire après. Ça va être chaud si je dois vraiment bouger comme ça à chaque fois. Ah, je dois suivre le truc, peut-être. Ah oui, je dois rester dedans. Ah c'est bon, on est bon là, on est bon. Ah, c'est pas simple hein. Ah c'est joli, c'est chouette à faire. J'y arrive, j'y arrive. On est bon, on a fini. Oui. Ah yes. Ah c'est beau. Ah c'est chouette. En fait, ça remplace les sanctuaires. Moi, nous asseyons ainsi avec les renards. Puis je devais leur réciter des poèmes de Kokinshu. Quelle épreuve. Lorsque j'hésitais, elle m'aidait à reprendre là où je m'arrêtais. Elle les connaissait par cœur. Charme de vision de Sugaru, avec la bénédiction du Kami des cerfs, votre arc peut décocher jusqu'à 3 flèches à la fois si vous en avez suffisamment. Ok. Cool. Ah, c'est chouette. Ah, c'est joli. Caresser, bah oui. C'est pour ça que j'adore ce jeu. Il y a vraiment des trucs géniaux, quoi. Franchement. On peut tous les caresser. J'espère qu'on peut revenir au sanctuaire. C'est chouette, c'est poétique. Bon, allez, on y va. On cherche notre cheval quand même. Hein. Mais j'aime bien. Franchement, c'est chouette. Alors. Ah, là, il pleut. Il y a encore un oiseau. Non, mais au bout d'un moment, je veux quand même retrouver mon cheval, moi. Sinon, je fais un air de flûte, hein, parce que là, il pleut quand même. C'est quoi déjà? Non, c'est pas ça. Bah, j'ai plus la flûte. Ah, la flûte, je peux pas. Si, voilà. Moi, j'aime pas la pluie, hein. Je veux que du soleil. Par contre, c'est dommage qu'on puisse pas changer les mélodies plus facilement. Faut aller dans le menu, je crois. Donc là, moi, j'ai choisi celle où, voilà, ça fait du soleil. Parfait. Oh, le paysage est sublime. Désolé, j'en oublie la quête. Je crois que c'est par ici, de toute façon. Donc on est bon. Le bateau qui m'a mené ici. Je vois pas le cheval. Nobu ! Où es-tu, mon grand ? Le capitaine de mon navire. Ah merde, ils ont tous péri. Comme par hasard, on a survécu. Il est où ? Ah, il y a des traces de... des sabots de cheval. Je connais ces traces. Nobu est en vie. Yes. Yes, notre cheval n'est pas mort. Un ami perdu. Ah non, mais deux fois de suite, c'est trop, là. Où es-tu parti, mon grand ? Alors, les traces. Ok, ah, on va examiner, oui, mais ça va, on voit où c'est. Hein. Allure constante. Bien. Tu Donc, n'es il n'est pas trop blessé. Cool. Cool, cool, cool. Après, c'est où ? Là. Tu t'es arrêté pour brouter. Tu devais être calme et affamé. C'est sûr. J'espère qu'il n'est pas dans les mains des ennemis quand même. Tu as chuté ou roulé. J'espère que tu n'as rien. C'est par où ? C'est ici ou... Vous là ah. Silence ! Il nous cherche. Et un serpent. La tribu de l'aigle nous recherche. Oh, ces choses qu'ils font à notre esprit, c'est simplement atroce. Du calme. Il n'y a personne.
Quand je les ai entendus, j'ai fui. Je n'ai pas vu le serpent, jusqu'à ce que je tombe dessus. Vous avez réussi à le tuer. Pas moi. Un cheval est arrivé, sorti de nulle part, et ben voilà. Il a piétiné. Il m'a sauvé la vie. Le ça, cheval, c'est Nobu. Par où est-il parti? La colline, droit sur les Mongols. Merci. Si jamais vous le retrouvez, remerciez-le pour moi. Ah. Un truc des chamans, ça encore ou quoi? On dirait bien. Hein. Des traces de pas. Des Mongols. D'abord surpris, puis en chasse. Voilà, je pense qu'ils ont mon cheval. Crâne brisé. Par un coup de sabot. Bien joué. Bien joué, Nobu. Je vais récupérer mon cheval et je vais tuer tous les Mongols. Rendez-moi Nobu. Ils sont proches. Voilà, ils l'ont capturé. Je vais tous les défoncer. Je dois l'aider. Rendez-moi mon cheval. Barrez-vous, barrez-vous. Est-ce que je peux balancer une bombe sans tuer mon cheval? J'aimerais bien qu'il se barre. Et il se casse. Bah c'est bien, je le récupère. Allez, viens, 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 viens Nobu, viens. Au lieu d'atterrir, mais non, mais je voulais sauver mon cheval, moi. Il faut d'abord que je les tue, en fait, j'ai pas le choix, quoi. Bah voilà. Bon, allez, hop. Il m'énerve, lui, la posture, c'est ça. Voilà. Bah, c'est ce que je voulais faire, hein, rejoindre mon cheval depuis le début. Mais juste tuer un ennemi, j'y peux rien. Je suis là, mon grand. Est-ce que ça va? Oh, j'ai cru t'avoir perdu. Mais j'aurais dû savoir que tu n'abandonnerais pas. Je n'allais pas faire ça deux fois de suite. Non. Quand tu as chargé les Mongols, je veux que tu le refasses. Ah, on a une nouvelle compétence. Trop bien, charge montée. Maintenez L1 pour effectuer une charge montée et renverser les groupes d'ennemis. Oh, mais c'est top, ce jeu est vraiment génial. Yes, trop bien! Oh la classe, je défonce tout le monde! La charge montée consomme progressivement votre détermination. Une fois votre détermination épuisée, votre cheval cessera de charger. Bah, c'est normal, oui, très bien. Oh, trop la classe ce truc! Je vais défoncer tout le monde, moi. Bim! C'est bon de te retrouver, mon grand. Oh, j'adore ce jeu! J'adore ce jeu! En plus, j'ai plein de détermination, donc c'est parfait. Nous devons l'aider. Tiens! Allez, maintenant on descend quand même, on va tuer les autres. Non, toi tu me touches pas, j'ai ma posture. Où est le chaman, s'il y a un chaman? Parce que je le tue tout de suite. Hein. On est le fantôme ou on n'est pas le fantôme hein. T'as peur toi? Bah dégage. Il y a une lance qu'il a lui, hop. Voilà. Moi je te dégage quoi. Une épée, épée. Merde. Je pensais pas qu'il m'attaquerait deux fois de suite. Voilà, bim. C'était les derniers. Deux fois, tu m'as sauvé la vie. Je vous en prie. Pas vous, lui. Mais je vous suis reconnaissant. Ah oui, c'est celui tout à l'heure. Ah, franchement, la compétence du cheval, elle est juste entre ça et la posture du fantôme et tout. Ah franchement, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Bravo, mon grand. Allons-y. Cette île a besoin de nous. Yes, un ami perdu, on a terminé la quête, et je pense qu'on va s'arrêter là pour cette première vidéo sur l'île d'Iki. Un nouveau point de technique acquis, très bien.
Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !